Bonjour, aujourd'hui on se retrouve en banlieue de Saint-Étienne, exactement à la Ricamari. Et je suis venu rencontrer Adam, qui est un des fidèles lecteurs, un des premiers lecteurs du blog de Parking Garage. Donc je suis très content aujourd'hui de l'interviewer parce qu'il vient d'acheter un lot de garage. Donc là on est dans la rue principale en fait de la Ricamari. On voit que c'est en bordure en fait d'une ville qui s'appelle Le Chambon-Feugerolles. Donc ça fait partie des communes les plus pauvres de la Loire, mais c'est situé à 5 minutes de Saint-Étienne seulement. Donc la copropriété en fait où Adam a acheté ses garages, c'est celle-là. Et puis on va descendre l'allée et là en fait on voit les box. Alors les box sont pas visibles depuis l'avenue, mais ils sont bien visibles depuis la copropriété. Et ce qu'on aperçoit au fond là-bas, c'est la voie de chemin de fer en fait qui relie le Puy-en-Velay à Saint-Étienne. Donc les garages d'Adam, ils sont dans cette allée-là. Et comme vous le voyez, il y a un certain nombre en fait de garages puisque il y a trois rangées exactement, et à chaque fois il y a une dizaine de garages par rangée. Voilà les garages. Et donc on se retrouve en fait sur l'arrière de la copropriété. Donc à vue de nez, doit y avoir 5, 10, doit y avoir à mon avis au moins 40 à 50 appartements et le même nombre de garages. Donc rien qu'au niveau des locataires des immeubles, doit y avoir une demande de location. Et de l'extérieur, puisque pour stocker les meubles, il doit aussi y avoir une demande de location. Mais tout ça, c'est pas moi qui vais vous l'expliquer, c'est Adam. Donc j'ai le plaisir de t'accueillir à Saint-Étienne, précisément à la Ricamari, donc qui est une petite ville à 5 minutes de Saint-Étienne. Et aujourd'hui, je rencontre Adam. Bonjour Adam. Bonjour Julien. Bon, je suis très content de faire ta connaissance Adam. Bon voilà, on se connaît depuis une heure. Il y a le petit passage du train. Voilà, le petit passage du train qui va bien. Et donc Adam, voilà, on échange depuis un mois ou deux maintenant par email. Et tu m'as dit que tu avais suivi le blog depuis ses tout débuts. Et aujourd'hui, si on se rend compte, en fait, c'est parce que tu viens d'acheter les quatre garages qu'on voit derrière nous. Tout à fait. Alors avant de parler de cette garage et puis de comment tu es arrivé en fait à acheter ces garages, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Adam, ça vous le savez déjà. Je travaille sur Lyon et j'habite à Lyon. Ouais. Et ça fait déjà quelques temps qu'il me trottait l'idée d'investir dans quelque chose en fait, d'accord, que ce soit dans l'immobilier ou autre. Puis je suis tombé sur ton blog. Okay. Et voilà, c'est ça qui m'a poussé à investir dans les garages. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie? Je travaille dans la vente de pièces détachées automobiles. D'accord. Donc j'ai ouvert un magasin avec deux autres associés. Ça fait maintenant 5 ans. Voilà. Ok. Donc ça se passe bien au niveau du boulot? Ça se passe plutôt bien, ouais. T'as 27 ans? Ouais. Et t'as décidé d'investir? Ouais. Donc tu m'as dit que tu avais investi en bourse. Voilà, donc c'est vrai que j'ai une partie de mes économies, comme tu dis, que j'ai investi en bourse. Et je voulais investir encore une autre partie dans autre chose. Comme on dit, il ne faut pas toujours mettre ses œufs dans le même panier. Donc, Il faut diversifier. Voilà. Et donc là, tu viens de diversifier en achetant ces quatre garages. C'est ça. Donc alors, quand est-ce que tu as commencé tes recherches? J'ai commencé il y a à peu près 3 mois. Ok, donc ça nous fait octobre. Voilà, octobre-novembre 2013, voilà. Et là aujourd'hui on est début février, et qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Et ce matin j'ai signé, voilà, donc j'ai signé ce matin et donc je suis assez content, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, et en plus en 3 mois, donc c'est vrai que je me suis mis à fond dedans, mais c'était plutôt rapide. Alors comment ça s'est passé ces 3 mois de recherche? T'as cherché où? T'as cherché avec quel moyen? Principalement sur Le Bon Coin. Ouais. Voir que sur Le Bon Coin. J'ai envoyé pas mal de mails, pas mal de coups de téléphone aussi. C'était quel type d'annonce sur lequel tu téléphonais ou t'envoyais des mails? C'était sur Lyon, c'était sur Saint-Té, sur Grenoble? C'était plus aux abords de Lyon, ouais. Parce que sur Lyon c'est vite inabordable, des garages. Donc là j'avais la possibilité d'avoir un lot et à un prix plutôt raisonnable. C'est ça qui t'a fait choisir déjà les abords de Lyon? Voilà, exact. Et t'as fait que Lyon et les abords, ou t'as décidé ensuite de pousser, ou t'as commencé déjà une recherche à plus d'une heure de route de chez toi? Au début, j'ai commencé sur Lyon. Ouais.
je me suis vite rendu compte des prix, donc après ma recherche est un peu éloignée. D'accord. Et, mais voilà, voilà comment je suis arrivé à l'Arica Marie. À l'Arica Marie. D'accord, donc tu es venu, tu as appelé le propriétaire. Je lui ai envoyé un mail d'abord. Je lui ai envoyé un mail. Ouais. Et donc pour avoir un premier contact, pour lui demander aussi le prix au niveau des charges. D'accord. Puis au niveau des loyers. D'accord. Donc il faut dire qu'à l'Arica Marie, il n'y a pas une demande locative de fou furieux, si on peut dire. Mais ce qui est intéressant, ce qui m'a fait un peu bloquer entre guillemets sur ce lot, c'est c'est les loyers sont restés inchangés pendant 8 ans. Et, les 4 garages sont tous loués. Et donc c'est deux critères qui m'ont paru valables. D'accord. Et les charges ? C'est quoi, c'est et les charges, non, au niveau de la taxe foncière, on est à 358. D'accord, pour les 4 garages. Pour les 4 garages. Et les charges de copro, on est à 320, moins 56 de la taxe récupérable. Ouais. Ok. Donc voilà, ça ne fait pas des charges non plus énormes, parce que 320, ça fait que, on va dire 360, ça fait 90 euros par an et par garage. Donc, divisé par, ça fait en tout à l'année, ça fait 622 euros voilà. De charges. Et donc les loyers n'ont pas été revalorisés depuis 8 ans, donc voilà. Forcément ça veut dire qu'il y a une possibilité d'augmentation du rendement. Tout à derrière, fait. Quand tu as un locataire fait. Qui part, tu peux relouer plus cher et tu peux aussi rattraper le retard sur en augmentant le loyer. Tout à fait. Les loyers sont de combien actuellement ? 38,50 € par garage. D'accord. Mais justement, par rapport au loyer, je pense les augmenter dès le changement de proprio. D'accord. Et donc les mettre à 40 €. Mmh. Donc, c'est-à-dire que là, en l'état actuel des choses, c'est-à-dire que si on déduit les charges des loyers, on est sur une rentabilité nette de charges autour de 7%. Si les loyers sont si j'augmente les loyers à 40 €. Voilà. D'accord. Donc 7% et ensuite tu as tes impôts à payer. Ouais. Et bon, l'un dans l'autre, on arrive toujours voilà, à 4% net peut-être, 3% selon ta tranche d'imposition. Mm-hmm. Et avec une possibilité d'augmentation à partir du moment où tu peux augmenter, bah, c'est peut-être au-dessus de 40 €. Voilà. Donc ce lot, il était affiché à combien au début ? Donc ce lot était affiché à 16 000 €. D'accord, donc 4 000 € de garage. Voilà. Donc là, on est à 7% de rentabilité en comptant l'achat à 16 000 €. C'est pour ça qu'il est intéressant pour moi de négocier le prix d'achat. Donc, alors, comment tu t'y es pris pour cette négociation ? Donc, j'ai utilisé, entre guillemets, la technique des frais de notaire. Ouais. C'est vrai que j'ai remarqué souvent que lorsque j'ai un premier contact avec le propriétaire, je lui envoie un mail et je lui demande son estimation pour les frais de notaire. Et la majorité du temps, il me dit c'est 6-7%. Donc, sur le coup, je dis rien. Puis après, quand je rencontre le proprio, donc je lui dis que ces garages m'intéressent, mais par contre que j'ai un petit souci, c'est que je me suis renseigné et que les frais de notaire avoisinent les 10-15%. Donc, ce qui n'est pas la même chose. Donc ça peut servir d'appui pour commencer une négociation. Et donc c'est ce que tu as fait ? C'est ce que j'ai fait. Alors ça s'est passé comment ? C'était juste après la visite ? C'était au téléphone, par mail ? Comment ça s'est passé en fait ? Je pense vraiment pour bien négocier, il faut que ce soit en face à face. D'accord. Par contre, je lui avais demandé au préalable son estimation par mail, parce qu'il m'avait répondu. Il m'avait répondu 6-7%. Et après, par contre, quand j'ai rencontré la personne, là j'ai pu lui dire que je m'étais renseigné sur les frais de notaire et commencer la négociation. Ok. Donc, tu es parti à 16 000, ce qui était le prix affiché sur le coin. Tout à fait. Et au final, combien est-ce que tu les as fait payer ? Et donc, au final, je les ai payés 13 750 €. Donc, 2 200 € d'économie. Voilà. Ce qui représente à la somme des frais de notaire. Voilà. Donc, ce qui est une belle économie, puisque tu as économisé entre 10 et 15% en fait, en plus, ouais, entre 15 et 20% en fait,
du prix de ses garages. Quoi. Voilà. C'est une belle négo. Mmh. Si tu avais fait ça sur un appart à 100 000 euros, au lieu de payer 100 000, tu aurais payé 80 000. Voilà. Mmh. Alors c'est vrai que 2 000 euros, ça peut paraître des petites sommes comme ça, mais sur des garages, bah, voilà, 20% de réduction comme a obtenu Adam avec sa technique de négociation, c'est quand même très intéressant. Et derrière, ce qu'il nous disait aussi, c'est que sa rentabilité va forcément augmenter, puisque bah, il les a payés moins cher que s'il les avait pas négociés. Tout à fait. Et donc ma rentabilité arrive donc à mes 8% que je m'étais fixé. Donc voilà. 8% net de charge. Voilà, net de charge. Donc objectif atteint. D'accord. Bah bravo déjà, parce que 8% net de charge, c'est un bel investissement. Qu'est-ce qui donne 8% net de charge aujourd'hui comme placement bancaire ou courtier C'est, voilà la raison pourquoi je suis ici. D'accord. Moi, j'ai pas non plus de réponse à vous fournir aujourd'hui, même si voilà, mon dada, c'est les parkings et les garages, mais voilà, chez Cadan, a quelques économies en bourse, donc voilà, je voulais savoir si tu avais fait aussi bien en bourse. Non, pour répondre à ta question, j'ai fait moins bien. T'as fait moins bien ? Ouais, je suis à 6%. Ah, ouais. C'est déjà correct. Ce qui est correct, avant mais. Oui. Ouais. Okay. Parce qu'il faut comparer ce qui est comparable aussi, c'est-à-dire que le rendement brut, ça ne veut rien dire. Hein. Mmh. Si on parle en rendement brut ici, on est à donc 1600 euros de loyer on sera un peu plus de 2000 euros de loyer sur 16 000 euros avec les frais de notaire compris. Donc grosso modo, on va dépasser les 10% de rendement. Mais entre un lot qui va avoir des charges énormes et un lot qui n'aura pas de charges du tout, ce ne sera pas du tout le même rendement net de charge. Donc pour comparer deux investissements, c'est-à-dire quelque chose en bourse et quelque chose dans l'immobilier, il faut comparer en rendement net de charge et pas en rendement brut. Alors je pense que tu fais comme ça pour calculer ton rendement entre absolument le garage et la bourse. Et je me sers bien sûr de la calculatrice Rentagarage qui est tout le temps avec moi et que ça c'est l'outil indispensable quoi. Ouais voilà, parce que bon, ce qu'on n'a pas dit c'est que voilà, Adam m'a connu, il a acheté le livre Réussir son investissement dans les parkings avec la calculatrice qui est offerte avec Rentagarage. Tout à fait. Et puis bah il m'a contacté pour me demander, d'ailleurs tu t'avais déjà vu ce lot? Non, c'était un premier lot à Riorges. Donc voilà, il m'avait demandé d'abord, c'était un lot de 4 garages aussi, je crois, à Riorges. C'est à côté de Rouen, donc Rouen, c'est à la même distance que Saint-Etienne et Lyon, sauf que Rouen, c'est une heure au-dessus de Saint-Etienne. Donc est-ce que tu avais été visité à Riorges? Non, je n'y étais pas allé. Et parce que c'était pas aussi intéressant que ça, et j'étais trop loin de mon objectif, même avec une bonne négo. Ça l'aurait pas fait. Donc voilà, Adam sélectionné en fait, dans ses recherches, il a fait un bon tri. Il n'a pas hésité non plus à se déplacer une heure de route pour acheter ses garages, sachant que quatre garages, Adam, il ne va pas se déplacer tous les mois, ni même tous les deux mois ici pour faire des mises en location. C'est des locataires qui sont là depuis 8 ans. L'entretien, c'est dans une copropriété, donc à part la serrure qui sont de sa responsabilité et des portes, tout ce qui est toiture, les allées, c'est des choses qui sont réglées par le syndic de copropriété, c'est pour ça qu'il paye des charges. Et voilà, ces charges, il y a un moment, il faut bien que ça serve à quelque chose, donc c'est les déplacements que Adam n'aura pas à faire. Qu'est-ce que je voulais te demander d'autre, Adam? Donc là, tu as signé, donc tu passes chez le notaire normalement entre 2 et 3 mois. 2 et 3 mois, oui. Comment est-ce que tu finances ce lot? Alors, j'ai avec un apport, en fait une partie avec mon apport et l'autre partie à crédit. D'accord. Voilà. Comment est-ce que tu as fait ce choix? Comment est-ce que j'ai fait ce choix? C'est-à-dire que j'avais. J'ai une certaine somme disponible. Ouais. Je souhaite l'investir pour. Puis je souhaite surtout régler mon emprunt le plus rapidement possible. D'accord. Donc j'emprunte sur 5 ans. Ok. Mais tout en sachant que je le solderai plus rapidement. Plus rapidement. D'accord. Dans le but d'avoir de toucher mon cash flow le plus rapidement possible. Ok. Donc ouais, tu vas rembourser rapidement, tu vas pouvoir déduire les intérêts d'emprunt les premières années tant que tu auras ton emprunt remboursé. Mm-hmm. Et au bout de 5 ans, l'intégralité des loyers seront pour toi. Voilà, c'est ça. Ok. J'espère même avant. Bah écoute, je te le souhaite. je te le souhaite. Et alors, c'est quoi la suite pour toi, Adam? Est-ce qu'on se revoit dans 3 mois avec un nouveau lot de garage ou est-ce que trois mois peut-être pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas m'arrêter en ce bon chemin. Okay. Donc mes recherches vont se poursuivre, mais dans le but cette fois, de, je pense,
dans l'optique de viser un plus gros, un lot plus important. C'est-à-dire voilà. En termes de nombre de garages, en termes d'investissement. Tout à fait. Ouais. Donc ce serait sur une quarantaine de garages. D'accord. J'aimerais bien, on verra par la suite, mais... Donc là, tu vas orienter tes recherches vers ce type de produit. Tout à fait. Et alors pourquoi est-ce que tu veux passer de 4 à 40 Parce que j'ai pu constater que les rendements sont sur des lots encore plus importants, le rendement est encore meilleur. Voilà, et que je peux à la fois financer mon crédit et commencer directement à gagner un petit peu d'argent. Ce qui n'est pas le cas sur ce lot. C'est un peu un lot formateur pour me faire les dents. Bah ça c'est une excellente chose que Adam fait parce que c'est une erreur très commune en fait, c'est d'attendre le lot parfait. Le lot qui s'autofinance avec la banque, le lot où tout est loué ici. Donc c'est vrai qu'Adam ne prend pas beaucoup de risques parce que d'une part les 4 garages sont loués, il va avoir des rentrées d'argent le jour où il signe chez le notaire. S'il signe par exemple le 10 du mois, il va toucher les 20 derniers jours du mois, c'est-à-dire qu'il va, il va repartir avec un chèque en fait. Bon, il va bien sûr payer ses garages, mais le propriétaire va déjà lui donner des loyers. Donc c'est pas comme quand vous achetez votre maison ou votre appartement pour y vivre. Là, c'est vraiment un investissement, donc il y a du cash flow qui rentre. Et le cash flow, donc c'est le terme en anglais, c'est les mouvements d'argent si on traduit en français. Donc ça peut être positif, c'est-à-dire que si Adam aurait payé cash son investissement, il aurait encaissé les 160 euros de loyer tous les mois. Donc son cash flow est positif. Là, comme il va avoir un emprunt les 5 premières années, il va avoir un cash flow négatif, c'est-à-dire qu'il va devoir sortir quelques dizaines d'euros de sa poche pour financer l'emprunt ou payer la taxe foncière, voire ses impôts. Mais ce que Adam dit est vrai, c'est-à-dire qu'il faut mieux commencer par acheter un petit lot. Il se fait les dents, il voit comment ça se passe avec le locataire, il va prendre de l'assurance, il va voir les difficultés qu'il peut y avoir. Et puis ensuite, effectivement, passer sur des plus gros lots, ça veut dire de meilleurs rendements. Et donc, pour Adam et pour nous, investisseurs dans les parcs et les garages, c'est plus de bonheur, c'est moins de boulot aussi, parce que le plus dur, c'est quoi, à ton avis? C'est d'acheter, c'est de trouver le lot, c'est de le louer, c'est... Le plus dur, c'est d'avoir la motivation, peut-être l'envie d'agir. Ouais. On peut rester des heures et des heures devant son PC à regarder des offres. Et si on n'agit pas, si on ne va pas directement dans le concret, je pense que c'est mort d'avance. Donc il faut agir, allez-y, déplacez-vous, voyagez. Non, mais c'est vraiment important d'agir et d'aller au-delà des idées. Ok. Et je pense que c'est un super conseil pour terminer cette vidéo. Je te remercie beaucoup, Adam. Merci, Julien. Et puis on te suivra le jour où t'achètes tes 40 garages. Tu passes un petit coup de fil, on en discute. Et puis c'est avec plaisir. On se revoit à ce moment-là. Avec plaisir. Allez, au revoir.